J'étais parmi les meilleurs de ma classe au primaire et au secondaire. Lorsque je suis arrivée à l'université en licence 1 de sciences de la terre des ressources minières, ça a commencé à ne pas aller. J'ai essayé de faire ce que je pouvais jusqu'en licence 2 où j'ai échoué. Cette année m'a vraiment fait mal parce que c'était une première fois pour moi d'échouer à l'école. Je ne comprenais pas, ça ne devait pas exister selon moi, ça n'existait pas selon moi le fait d'échouer. Après mon échec, j'ai passé un mois sur l'ordinateur. Après, j'ai découvert que j'aimais l'informatique. J'ai décidé de m'inscrire à une formation de programmation web. Et c'est là que j'ai appris à programmer. Aujourd'hui, je programme, c'est un site web assez basique. Et je suis quand même axée aussi sur les réglages et maintenance informatique en matière de hardware et de software. Depuis que je maîtrise l'informatique, je me sens assez à l'aise parce qu'il y a quand même des hommes dans mon alentour qui me recommandent pour que je règle deux ou trois problèmes. Je me sens genre comme... Je suis contente parce que moi, je suis une femme, les garçons me demandent comment on règle tel ou tel problème. Il y a l'impression d'être un peu Dieu d'une manière parce qu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui connaît de hardware dans mon quartier. J'invite toutes les filles qui aiment vraiment l'informatique à se consacrer vraiment à l'informatique car ce n'est pas quelque chose de réservé forcément aux hommes. Et pour toutes les filles qui ont une quelconque passion, de vraiment s'accrocher car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et puis aussi, l'échec, ce n'est pas une fin en soi, c'est la manière de, c'est le temps qu'on met pour se relever qui détermine vraiment notre force. Je suis une fille, je suis forte et rien ne m'arrête.